Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous propose de découvrir le Yidi Hybride, un aspirateur qui ressemble étrangement à un aspirateur que j'ai déjà testé mais bien plus cher. On va voir si son rapport qualité-prix est vraiment très bon. A propos du déballage, on passe vraiment très vite car c'est vraiment ultra minimaliste. On a vraiment l'essentiel, on a une serpillière puisque c'est un robot laveur, on a la station de charge, on a l'aspirateur, on a le cordon d'alimentation et on a une brosse latérale, une seule malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir deux. Et puis petite remarque concernant la station de charge, on est bien loti côté antidérapant. Euh, donc normalement la station ne devrait pas bouger et tant mieux puisque c'est un robot ultra nerveux. Vous allez le voir pendant toute cette vidéo, il manque un petit peu de délicatesse. À l'arrière, on aura deux roues crantées d'une hauteur de 2 cm. La roue euh, à 360 degrés se trouve ici. On a surtout six capteurs de chute, et ça c'est rare pour ce prix-là. On a malheureusement qu'une seule brosse latérale qui se trouve ici. Et pour l'installer justement, on a simplement besoin de la clipser comme ceci. On continue la découverte de l'hybride 2 en 1. Donc ici, c'est la brosse rotative. Alors si vous connaissez un petit peu les aspirateurs Ecovacs hein, que j'ai testés, objectivement, bon, c'est exactement la même chose. Alors déjà, le, le design ressemblait. Vous allez voir qu'on a vraiment les mêmes produits. On peut même les interchanger. Donc ici, c'est la brosse rotative qui est très bien pensée hein, chez Ecovacs. Un mix de poils et de, de plastique. Pour ramasser la poussière, il n'y a rien de mieux. Et puis ici le bac à poussière du Yedi est juste à côté le bac à poussière de l'Ecovacs N8 hein, qui coûte presque deux fois plus cher. Regardez, c'est le même. Donc on est bien sur des produits similaires, d'ailleurs j'ai pu les interchanger. Et pour accéder au bac à poussière, c'est juste ici, comme sur Ecovacs. et regardez, les boutons sont positionnés au même endroit. C'est exactement le même principe avec ce bouton de risette pour accéder au bac à poussière, donc voilà c'est comme ça, on a en plus les, les, les mêmes capacités, hein, c'est une dépression de 2500 pascal comme sur le N8, franchement c'est vraiment bon signe pour la suite, et voilà donc c'est ce que je vous disais, le même bac à poussière que pour son concurrent. Allez place à l'installation, on va sur l'App Store, on télécharge l'application Yidi, on appuie sur le plus et on sélectionne l'hybride 2 en un. Ça va nous demander ensuite de sélectionner le réseau, alors il faudra prendre le réseau domestique et pas le réseau du Yedi. Je passe très vite sur l'installation, on va venir générer un code QR avec l'application, on va le scanner. La caméra se trouve juste au-dessus du robot, on se met à 10 cm, on suit les instructions, ensuite on va avoir cette interface-là de l'application Yedi. Allez, première reconnaissance de votre habitation afin de cartographier donc, les lieux. Le robot part tout droit et puis il va tourner un petit peu à gauche, il va revenir, voilà, comme ceci. Euh, et puis après il repartira sur la droite lorsqu'il aura terminé sur la gauche. Première constatation, c'est que le robot va partout, donc ça, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il est sur un tapis, sa puissance d'aspiration augmente. Euh, alors, il va partout, ok, mais il ne va pas partout du premier coup, c'est-à-dire qu'il s'est repris euh, à plusieurs fois, par exemple en fin de nettoyage, il est venu terminer un endroit qu'il n'avait pas fait, donc ça, c'est une perte de temps. Mais là aussi, on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo pour euh, faire un petit bench avec la concurrence par rapport à une pièce standard. D'habitude, euh, mes aspirateurs mettent 22 minutes, là vous verrez que c'est un petit peu plus. Alors l'autre chose, c'est qu'il est ultra nerveux, alors il monte un petit peu partout, notamment ici, bah, dès qu'il voit une petite pente, comme il n'a pas tous les capteurs euh, comme certains aspirateurs, euh, il va essayer de grimper un peu partout. Alors si vous laissez des choses fragiles sur, sur le sol, euh, bah, <laughs> pensez à les retirer puisqu'il va les dégommer, et c'est pareil pour les câbles. Alors un truc que j'adore, c'est sa cartographie, regardez comme son capteur en fait est en haut, il se repère par rapport au mur et donc on a des pièces complètement rectangulaires donc ça c'est bien euh, et alors la petite différence c'est que regardez donc là c'est la pièce principale j'ai refait une, une carte euh, donc j'ai bien mes pièces distinctes euh, et par contre donc quand c'est un petit peu plus foncé c'est qu'il y a des objets un canapé une armoire n'importe quoi donc on repère quand même mieux grâce à ce type de cartographie et toujours à propos des cartes on va pouvoir renommer les zones donc avec certains noms déjà prédéfinis malheureusement il n'y a pas tout à propos de son efficacité alors je vous le disais le problème hein, c'est qu'il est un peu le bourrin, il déplace toutes les chaises de quelques centimètres mais généralement lorsque vous avez des chaises, il va passer en dessous. Là, il est plutôt malin. Et malheureusement côté timing c'est un peu plus compliqué puisque pour mon salon plus euh, la cuisine, euh, donc il n'y a pas énormément de mètres carrés mais généralement mes aspirateurs mettent autour de 22 minutes alors c'était le cas de, de son concurrent Ecovacs euh, lui il est plutôt autour de 37 minutes pour la même surface. Pour vous donner une petite idée c'était lors du premier nettoyage, donc ce petit coin là qu'il est en train de, de faire, il l'a fait au dernier moment alors qu'il était passé à plusieurs reprises juste à côté, donc là j'ai pas vraiment compris pourquoi euh, alors par contre, donc là petit test de capteur chute aucun problème avec ces six capteurs alors le plus important évidemment c'est les capacités d'aspiration c'est sûr qu'avec 2500 euh, pascal de dépression ça fait pas rêver en tout cas sur le papier et pourtant ici j'ai mis 30 grammes de détritus en tout genre euh, et il m'a tout ramassé sans exception et il ne m'a même pas laissé des micro poussières franchement euh, c'est le meilleur rapport qualité-prix d'aspirateur que j'ai pu tester jusqu'ici. Donc le résultat est nettement supérieur à certains aspirateurs qui coûtaient plus cher, qui avaient 3000 ou 4000 pascals de dépression. Franchement, impeccable, un sans faute pour euh, sa capacité d'aspiration. Concernant maintenant les tapis, dès qu'il détecte un tapis, sa puissance d'aspiration va augmenter. On testera également le mode de lavage juste après. Euh, alors globalement, pour un tapis à poils longs comme ça, bah, c'est pas forcément génial. Il reste encore euh, pas mal de, de, de micro-poussière en tout cas, avec un tapis à poils court, c'est quand même déjà mieux. À propos du lavage, maintenant, alors cet aspirateur aspire et lave en même temps, mais il y a toujours un bémol hein. avec ce type d'aspirateur robot. Le lavage, c'est pas comme un vrai lavage forcément, puisque euh, ça ne fait que passer donc la serpillière, ça, ça effleure à peine le sol, donc forcément ça ne va pas gratter les taches incrustées. Par contre, euh, ce qui est pas mal, contrairement à certains robots euh, qui le soi-disant le permettent, mais bah, c'est pas très efficace. Regardez, donc là je suis en mode serpillière et dès qu'il détecte le tapis, il fait demi-tour. Donc ça il a bien compris, ça marche très bien. Et puis il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est quel détergent utiliser pour ce type d'aspirateur Alors officiellement c'est de l'eau qu'on doit utiliser, il ne faut pas que ça mousse. Personnellement, j'utilise un petit peu de, de détergent. Si vous avez quelque chose qui ne mousse pas, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, je vous dis c'est pas vraiment fait pour ça, ça va retirer les micro-poussières, donc de l'eau suffit amplement. Petite remarque, l'aspirateur est compatible. Alexa et Google Assistant. Alexa, lance super aspirateur. Ouais, désolé, c'est le nom que je lui ai donné. Désolé, l'appareil super aspirateur ne répond pas. Alors étrangement, ça me dit que ça ne répond pas, mais finalement, ça le lance quand même. Et puis gros bémol, c'est son autonomie. Alors pour nettoyer 18 mètres carrés, il m'a fallu 30 minutes et il n'a même pas pu terminer euh, son cycle puisqu'il n'avait plus assez de batterie. Alors sachez que j'utilisais la puissance euh, la, la plus forte, donc forcément la plus consommatrice. Euh, alors ça ne gêne pas, il retourne à son socle, il se recharge, il repart euh, à peu près une heure et demie après et il termine. Euh, simplement, il bah, ne faut pas te presser. Euh, si vous n'êtes pas là, ça ne gêne pas du tout. Par contre, si vous êtes là, ça peut être un petit peu handicapant. En conclusion, et malgré ce problème d'autonomie, hein, je trouve qu'à 250 euros seulement, euh, c'est sans doute l'aspirateur qui a le meilleur rapport qualité-prix. Il est loin devant euh, bah, ses concurrents qui sont autour de ces prix à 250 euros. On est plutôt dans un aspirateur qui pourrait valoir 400 euros. Donc, si vous souhaitez un aspirateur pas trop cher, efficace, polyvalent, euh, je pense que cet aspirateur a fait pour vous. Ok, il a quelques petits défauts. Euh, il est un petit peu bourrin, c'est ce que je vous disais, mais globalement, ces euh, défauts, euh, on les oublie rapidement avec son prix. Je vous mets tous les liens dans la description si le produit vous intéresse. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.